Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Pourquoi ça s'appelle la chute des robots maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, la chute des... What the fuck? Ah mais moi pourquoi? J'ai toujours dit, hein. Parce que c'est en lien avec le film Disney de Le Royaume de l'Atlantide. Oh. C'est ah. Le futur. Attendez, j'ai rêvé ou... Quoi? Okay. Hein? On a vraiment rencontré le roi Neptune, non? On est d'accord? Quelle autre explication possible pourrait-il y avoir? Des extraterrestres? Non, attendez. Okay, des robots? Que ce soit un minimum légal. Des robots. Un petit zombie au milieu, là? Un petit zombie dans l'océan? On pourrait limite faire un bingo sur ce qui pourrait arriver. Hein. Je te jure. Mais où sommes-nous? Excusez-moi, j'avais oublié mon masque anti-Covid. Bip boop. La ville de l'Atlantide est actuellement soumise à un épisode de dévastation cataclysmique. Veuillez. Code 02312772. Oh merde, il va exploser. Nos experts vers leur travail. Qu'est-ce qu'il le fait bien? Le mec a un autotune à lui tout seul. Des automates, monsieur Skanvik. Une technologie incroyablement avancée. Nos scanners détectent que vous n'avez pas Warning. Si vous êtes perdu, levez la main et laissez un membre du groupe plus compétent vous... Quelle fabrication délicate! Oh, comment est-ce possible? Gouzi. Félicitations, congrats! Vous êtes désormais recherché avec la description criminel potentiel et ou pervers. Super, je vais pouvoir mettre ça sur mon LinkedIn. Ah ah, c'est bien la première fois qu'on me traite de pervers. Potentiel. Vous êtes un pervers. P-E-R-V-E-R-S. Quelle intelligence! Pendant que nous employons la force pour vous arrêter. Oh, regarde mon air content, là. Je te jure. Oula. Je suis un magnéton. Oh, il faut des petits bruits quand on les frappe. Oui, il faut des... Ah! Ils jutent. Ils envoient du jus. Bah alors, t'étais pas au courant? Ah mon dieu. Et c'est nous les pervers alors que ça nous jute dessus. Mais c'est infâme. Ça te permettra d'avoir le coup de foudre. Hein? Oh lol! Dites-moi, mais vous ne feriez pas du théâtre, vous, par hasard? Ah, vous ne seriez pas dans l'humour? Je suis le seul à pouvoir le sauver! Il recommence! L'Einsteiner! Monsieur Prigneus! Restez avec moi! Je sais que c'est l'atmosphère marin, mais restez avec moi! Oh, le seul! L'Atlantide, est-ce vraiment possible? La ville s'éveille. Alors, petits boutons verts qui deviennent rouges quand ils meurent, c'est incroyable ces costumes. Mmh. En cas de révolte de robot, n'oubliez pas d'utiliser la phrase de sécurité. Warning, fichier supprimé, erreur 404. Oh, les jolies runes en antique sur le tableau blanc. Tout à fait. Et si le royaume Atlantin était en fait un royaume mécanique, appelé dans un autre univers, Rapture. Et qui en fait serait les prémices d'une civilisation très avancée. Mais du coup, arriéré, puisque 2000 ans de temps et d'espace nous séparent de celle-ci. En fait, ils avaient déjà atteint le troisième millénaire, ils avaient développé des trucs de bâtard. Ah oui. Mort, bien sûr, à cause de leur... Sur la tête. Mort à cause de leur propre arrogance suite à la technologie qu'ils ont débloquée, le classique. Et puis pour les punir, une énorme créature venue du ciel a tout ravagé et vient tous les 10 ans, sauf si quelqu'un se sacrifie. Ça fait pas beaucoup 10 ans. Sécurité passée au niveau 5, explosion sous-marine et ou ours en cavale. Quoi? Ok, donc il y a un mec qui est venu par un portail avec un bâton et qui a fait c'est moi le roi. Ah, mais on dirait moi. J'ai un bâton. je suis plein de points communs avec cette personne. J'ai un bâton, j'ai ouais, deux pieds. C'est le bâton de mon arrière. Le lien est le seul. Et imagine, il y a un instant, ça théorise. Imagine, à un instant, genre, ils me prennent pour une divinité antique parce que j'ai un bâton. Ah, ce serait bon. Alors, tu fais quoi? Tu fais quoi, monsieur Pringles? Je deviens au moins aussi important que toi à ce moment-là. Bah, c'est très simple. Comme d'habitude, la bonne réponse, c'est je te con.
Corruption, je te paye. Alors, monsieur Pringles, vous me devez déjà au moins 7 mois. À un 7 moment, mois va de... falloir régulariser, parce que... Me donner 7 mois de quoi? Tous les mois en me disant c'est bon, c'est les intérêts. Oh là là, si tu veux ça pendant 7 mois, je vais chercher la vaseline, moi. Quoi? Allô? Quoi? Je ne veux pas de liquide. Avons-nous employé une force excessive pour vous arrêter? Votre avis compte pour nous. On va le noter sur 5. Je te jure. Au combo. Oula. Oh, le gros Imoulinex! Le gros Imoulinex! Imoulinax! Imoulinax! Abarrat! Imoulinax! Abarrat! Je me prends des tatanes, mais pas possible de savoir pourquoi elle vient des tatanes! Ça tatanise! Ça tatanax! Quand je suis déçu comme ça, je prends la voix de mon personnage! De quoi? J'avais un combo si proche de 75, mais qui ne sera jamais 75. Je me fais vieux. Tu te fais vieux, monsieur Pringles. Excusez-moi, je passe le balai. Oh, il a un drapeau. Détendez-vous. Ah, j'avoue. Calmant, ne sont pas dangereux que pour les petits animaux, tout du moins. Lol, 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 elle. 4-3-2, les enfants et les personnes ayant de problème de... A tous les coups, le petit drapeau, c'est pour dire que c'est le capitaine, parce qu'on aura un défi, il faut le battre en dernier. J'annonce. T'as mis pas le chef, allez, boum. Bien joué. Toi aussi, tu viens du futur, toi aussi, tu sais des choses comme ça? Oui, exactement, je suis game designer, c'est mon métier. Je suis... Aïe 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 aïe! On l'a refait. Dis aïe 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 aïe! Joli, joli, bravo! D'ailleurs, Dia! Oui? Parlons-en, ça vient d'où? Alors, c'est une contraction. Est-ce que Dialanga est un jeu de mots avec Danganronpa? Non, rien à voir. Non. Non, mais il y a une influence d'un jeu japonais quand même. Oh! La japonisante. À savoir que de base, c'était. Dia qui était une contraction de Diamonds. C'est moi que Diamonds. Oui. Qui était un personnage sur un manuscrit que j'avais commencé à écrire. Oh, et ensuite c'est devenu Dia tout court. Et après c'est devenu, vu que Dia c'était souvent pris où les trucs à trois lettres ça rentrait pas, j'ai fait une version plus longue qui était Diaraga, parce que dans Persona, donc un spin-off de Shin Megami Tensei, le sort de soin ça s'appelle Dia et la version améliorée c'est Diaraga. Voilà. Ah d'accord, stylé. Ok, belle influence, j'aime beaucoup. Avez-vous visité notre célèbre aquarium, hein? Aquarito. Oh oui, oh oui, le toboggan. Numéro 1, avec votre libération dans 10, 12 ans. Je suis en train de perdre ma gorge. Ah non. Ça, c'est la voix du Seigneur des Ténèbres. Non, même pas, c'est le robot qui m'a tué. Non, pas le robot. Non, pas le robot, j'ai de l'huile dans ma gorge. Il a été vaincu par la technologie. Oui, la technologie du passé. La technologie du rétro-futur. Oh, un trophée. Le rétro-futur ou le futur vu par les gens des années 80. Je ne vois rien à ce qui se passe. C'est compliqué de comprendre, je ne fais que taper. Je ne sais même pas où je suis. Messieurs, ils ont arrêté de faire la mise au point, hein. Je t'avoue, là, je joue en focus minimal. Hein. C'est bon ! Ça va bien se passer. Laissez-moi passer un coup de balai ! Nous rencontrons une certaine résistance. Aïe, aïe, aïe ! Bah, t'as compris, une résistance ? Voilà. Résistance, parce qu'on est contre des machines. Oui. Ah, une résistance. Alors, c'est pas mal, hein. Sur ta blague, c'était pas drôle. Alors, je me demandais quand est-ce qu'on allait croiser le grand méchant, parce que techniquement, on est à la fin de la quatrième partie, et le boss, c'est toujours la cinquième partie, tu te rappelles? C'est vrai. Donc cette fois, c'est l'intelligence artificielle qui parle. C'est GLaDOS. Maybe Black Mesa... Non, pardon, excusez-moi. Douce mort, douce partie. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ma blague de la résistance quand même? C'était pas mal. Écoutez, monsieur Scambic, un message enregistré. Quand même. Incontrôlable, tout va être détruit.
Nous devons engloutir la ville. Seul moyen de pression. Bordel, c'est une IA soviétique. Pardonne-moi. Il a l'air enjoué. Ah bon? L'Atlantide a été engloutie avant que le démon n'arrive au paroxysme de sa puissance. Mais ils n'ont pas pu le détruire. Nous devrions finir le travail, monsieur, et correctement. J'ai retiré mon masque. Il fallait que je goûte s'il y avait du sang. Ah, c'est le capitaine Blovard. Oh non! C'est trop tard, Dashboard. J'ai vu des choses incroyables, des choses que nul n'a jamais vues dans le laboratoire de Dexter. Oh non, il est possédé. Il a été corrompu, lui aussi. Dans le laboratoire de Dexter. Éloignez-vous de ces commandes, capitaine. Je peux vous aider. Je suis le seul à pouvoir vous aider. Ouais. Cela ramènerait mon équipage et tous mes gars. Da-da-da, et la seule chose que j'ai à faire, c'est obéir. C'est pas cher de payer. J'imagine qu'un jour, nous trouverons un levier qui ne nous mènera pas forcément à notre mort, monsieur. Un jour, peut-être. Wow. Qu'est-ce que... Wow. Mais c'est magnifique. Ça a pourquoi un moustache. Je crois qu'aujourd'hui ne soit pas ce jour, monsieur Scambeck. Tout à fait. Mais c'est... Mais c'est wow superbe. Le Security Bot. C'est pas le Final Boss. Wow. C'est le Security Bot. Ah, il pop des arbres. Oh, oh, oh. Ah, c'est ça, c'est un faux bon truc. Ah, oh, 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 oh. Ok, on a un défi. Il faut vaincre le Security Bot avant la fin du temps, Palti. Ah, il a fait tomber une mine. Ah bon. Ouais, ça largue des petites mines, le truc. Par contre, je sais pas si on peut les éclater, les mines, ou pas. Ah, aïe, 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 aïe. Ah, j'ai fait ma technique au mauvais moment. Ce n'est pas le bon moment. Ah, quoi que. C'est bon, on a quand même pu l'enchaîner un petit peu, là. Ouais, non. Ah, il m'a mis au parfum. Ou au jus. Il m'a mis au jus. Tous en connectés. La 5G. Et voilà. Cette voilà. Musique trumpienne. Voilà où ça nous mène. T'as été fibré, mon gars. Ah, je ressens la connectique. Je ressens la fluidité, le monde moderne. C'est oh, large. C'est en 4K. Les messages, la diffusion, la qualité, c'est n'importe quoi. Je ne savais pas qu'on pouvait lire merde avec autant de pureté. Pourquoi les sirènes et les sirènes ne sont-elles pas arrêtées? Les sirènes n'étaient pas destinées aux robots, monsieur Scambeck. Nous allons sans doute les regretter, monsieur. À quoi cela peut-il servir? Blovard, il remonte l'Atlantide à la surface. On sera la fin de Bioshock. Mais quel beau... 116. J'ai pété le scoring. Mais comment est-ce que je peux être plus célèbre que toi alors que t'as 1 million de combos en plus et que t'as battu plus d'ennemis? Alors, c'est ce qui arrive dans cette session, mais si je me rappelle bien, dans les précédentes, c'était pas le cas. Hein. Les précédentes, t'étais 1000 fois meilleur que moi, mais enfin, c'est pas pour me chercher une excuse, mais maintenant j'utilise l'ulti, chose que je ne faisais pas avant. Ah, mais ce qui est très bien, non mais du coup, tu veux dire que la célébrité c'est un truc qu'ils gardent de scène en scène et que c'est pour ça que j'en ai plus? Parce que moi, ce que je comprends pas, c'est que je me dis, je sais pas ce que c'est la célébrité, mais je me dis, tu la gagnes en faisant des combos et en battant des ennemis, quoi. Mais... Moi, ce que je pense, c'est que la célébrité, ça se joue sur les combos et sur le fait de prendre des coups à des moments. Ah, bien vu, ça doit être le fait de se prendre des coups, du coup. Ouais, ouais, parce qu'en fait, tu accumules du flow grâce au flowmètre, là. Mm-hmm. Et en gros, quand tu prends des patates, t'as le public, il est en mode, oh, et il s'arrête d'acclamer ton nom. Ouais. Donc, non, t'as jamais fait gaffe, en fait, t'as une petite barre de rageomètre que tu peux voir charger. Ouais, les jaunes sur le côté, ouais. Bah, je n'avais jamais fait attention à ça. Sache-le. Mais du coup, ça doit être ça, tu dois être plus offensif que moi. C'est possible, hein. C'est possible. Mais du coup, le boss, c'est lui? Bah, je pense, hein. Mais oh, avec ouais. Peut-être une intervention du Kraken. Ouais, peut-être. Regardez, les gars, c'est les mondains qui ont détruit notre bateau, ouais. C'est votre équipage. Ah bah oui, j'avoue, il y a un air. Hein. Blovard, qu'avez-vous fait? Il y a même un air du logo de la boîte qui avait fait rapture. Oui, c'est vrai. J'ai obéi, Dashboard. J'ai été élu. Vous êtes son nouveau vaisseau.
rien d'autre qu'un bateau. Je ne suis pas un vaisseau, connard, mais un bateau. Je ne serai le pirate le plus redouté de l'histoire. J'ai juste besoin de ce pouvoir. D'obéir, plutôt, oui. Non, le pouvoir. Rien de personnel, monsieur Dashford. Purement professionnel. Oh, je comprends, bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. C'est très professionnellement que je vais vous mettre la canne dans le fessier. The fight us. Enfin, de l'acte. Miguel Arano. Ok, tout va bien. Alors moi, je suis en retrait. Ne faites pas attention à moi. Regardez pas ce qui se passe vers mon personnage. Ce n'est... Wow. C'est pas très l'intensité chez moi. Ah. Ça met des patatés. Oh mec, les patates douces, c'est tellement bon. Aïe. Ah, j'espère qu'on va l'avoir avant 20h parce que je suis en train de voir le chrono et j'avais pas vu, mais... Ah, j'ai encore 5 minutes. Après, ça va être compliqué à nous. Et pour la cinématique aussi. Bon, cinématique. Ah, le blabla, oui. Ah, oui, bah ils vont... Pas de problème, on va ils vont parler, bien sûr. Du paternel, perdu la canne. Dans l'espace-temps et une époque différente. La canne, alors, et ensuite, ce sera les moustaches. La canne, tu penses? Ouais, moi, je dis la canne. On a eu le chapeau, on a eu le gros œil. Moi, je parie sur le caleçon à cœur. Non, la canne, je suis d'accord. Ça ou un poil de goussette. Mais non, je pense la canne. D'ailleurs, il y avait que 4 actes dans le jeu ou 5, je sais plus. 5, mais le. Ah, oula, démon tentacule. 5, mais le dernier est plus con. Oh, il a poule pisée. Le dernier, il y a 2 scènes, je crois. Hein? Il y a 5 pièces. Ouais. Et elles font toutes, sauf la dernière, 5 actes. Ouais. La dernière, elle en fait 2, je crois, ou 2 ou 3. Ouais, c'est ça, mais à mon avis, c'est boss sur boss le dernier. Très probablement. Il doit y avoir 4 vrais actes et ensuite, enfin 4 vraies parties. Et après la cinquième, c'est genre. Le final count. Oh mon dieu! Easton. Et tout ce bordel. Il s'est transformé en paratonnerre! Aïe! Par le pouvoir du Pringles nu! Ah la vache! Alors c'est ça la fibre! Voilà, quand t'es câblé, mon gars. Ah, j'ai senti au moins 5 gigabits! Oh, des marques à éviter au sol, c'est nouveau ça. Fait des bombardements. Ah ouais? J'avais jamais eu des bombardements. Vite, vu qu'on a double chargé là, vu qu'on a double fibré. Par contre, on est cradingue là, non? Oui. J'ai l'impression qu'on fait du caca. Oui. On a été caca. Oh, quoique. Regarde le wowomètre. On a 5 étoiles hein, en vrai. Tu crois pour de vrai? Bah, je sais pas, genre du. Oh, attention! C'était pas du tout prévisible! Alors, la canne. La stache! Yes! La, oh, la canne avec un crâne. Je sais pas qui c'est mon papa, mais. Du coup, c'est la crâne. C'est pas la canne, c'est la crâne. C'est la crâne. Oui, et sinon, ma blague sur la résistance. Oh merde! Ah non, c'est le scénarium! Prompteur! Merci. Ça canne. Non, j'ai dit ça crâne. Oh, merde. Vous êtes sûr que... Absolument, c'est bien la sienne. Ça crâne, on est d'accord. Quelles sont toutes ces éraflures dessus? J'ai reconnu les symboles immédiatement. D'après les carnets de mon père, il a consacré sa vie à l'étude des portails démoniaques. Il pensait qu'avec les bons calculs, il était possible de localiser précisément l'emplacement du royaume démoniaque. Je savais que les gravures sur sa canne perdue depuis si longtemps n'étaient pas un message codé. C'était une carte. Et t'as vu? On a eu 5 étoiles. Ah bordel, incroyable. Beau gosse jusqu'au bout. Incroyable, franchement. Qui lui croyait? Et il suffisait qu'on utilise l'ulti, hein. Je te jure, mais en vrai, si tu regardes, vas-y, avance et regarde les 5 niveaux. Enfin, regarde la pièce 3. La pièce 3, oui. Regarde, franchement. Alors que quand tu regardes la pièce 2. La pièce 2, bon. Ouais, bon, la pièce 2, on sent qu'on arrivait au bout de nos capacités. Ouais, c'est ça. Mais ensuite, on a appris l'ulti, et voilà. C'est ça. Et d'ailleurs, toujours pas. De nouveau gris-gris. T'en as un, toi, ou pas? Non. Ouais, j'en aurais jamais un. J'ai la patte de Kazma. Oh, j'en aurais jamais. Durcicorne. Mais je sais pas comment ça... En fait, si ça se trouve, faut péter des mobs d'une certaine manière. Je sais pas. Parce que je vois même pas d'où sort la patte de lapin, en vrai. Je sais pas. Patte de lapin. Ceux qui portent une patte de lapin devraient sérieusement tenir compte du niveau de chance dont disposait son précédent propriétaire.
Ouais, c'est pas faux. C'est pas expliqué d'où ça sort. Bon, en tout cas, monsieur, dame, merci. Merci, Dia. Merci d'avoir suivi cette troisième et avant-dernière partie. L'air de rien, il y a encore la pièce 4. Et après, en vrai, je crois que le cinquième épisode, il sera court. Hein. Ah, peut-être. Peut-être qu'on sera également surpris par la durée des actes. On ne sait pas encore. Ah oui, si ça se trouve. Par contre, moi, j'ai hâte de savoir où c'est que ça va nous emmener. Parce que, bon, on théorisons très rapidement parce que j'ai pas trop le temps. papa égale boss final, égale fusion de tous les autres mobs. Égal, genre, il voulait tester son fils, et je sais pas. Ou alors, vrai reveal de la mort, mais alors là, je me demande pas. Je retire mon bandeau de Sasuke, et je suis ton père. D'accord. Moi, je vais prendre papa dans la dimension démoniaque. Okay. On va combattre tous les boss à nouveau une fois, et ensuite il y aura la fusion. Ouais. Et c'est pas que papa voulait me tester, mais c'est qu'il a été corrompu par les énergies démoniaques malgré lui au début, et finalement c'était trop pour lui. C'est pas mal. Bah écoute, on verra ça. On verra ça dans le grand final. YouTube, merci. Dia, merci. Gros bisous à tous. Il faut que j'y aille. Ciao, ciao! Des bisous.